Mesdames et messieurs, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vais apparaître à la télé. Et... Hop ! Mais dans la mesure où le public n'est pas super, super joyeux, je vais disparaître. Et... Hop ! Vous êtes triste ? Attendez, je réapparais alors. Hop ! Je ne suis pas le seul à être magicien, mes amis. Je vous demande d'accueillir aujourd'hui celles et ceux qui risquent de faire apparaître 10 000 euros à la télé. Accueillons Ludovic! Salut Ludo, bonjour, bienvenue. Accueillons Nicolas. Salut Nico, bonjour. Voici Stéphanie. Bonjour. Bonjour à vous. Et enfin, accueillons Fred et Rick. Oh, Frédéric. Quel bel homme, Frédéric. Superbe. Bienvenue à vous. J'espère que tout va bien chez vous. On fait un petit peu de magie au quotidien. Alors, il y a un truc important, parce que si je me remets là, mesdames et messieurs, en plein cadre, là, regardez, d'un seul coup, je dis première marche, je disparais. Hop! Première marche! Hop! Ludovic, 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 que faites-vous dans la vie, Ludovic? Je suis magasinier cariste dans le domaine des vins. Dans le domaine des vins? Les vins récoltants, oui. Sympa? Ouais, c'est sympa, ouais. Intéressant, ouais. Bien, ok. Magasinier carré dans le viticole, c'est bien, c'est voilà. Bien, c'est bien, c'est bien. Nico, dans la vie? Je suis ingénieur en production. Ingénieur en production. Dans une usine de filtration, donc... Monsieur voilà. L'ingénieur. Qu'est-ce que vous filtrez, Nico? De l'air, pour le moment. Vous filtrez de l'air? Oui. Je brasse pas de l'air, je le filtre. D'accord. Voilà. C'est plutôt sympa de filtrer de l'air. Ouais, c'est cool. C'est bien. Vous, Stéphanie, dans la vie? Je suis couturière sur mesure, pour l'instant en congé parental. Couturière sur mesure? Mais ça se perd, ça! Oui, mais moi, je refais. Vous en faites? Eh bien, c'est plutôt sympa, d'accord. Oui, c'est bien. Donc, vous faites à base de patrons, à base de personnes? Ouais, je fabrique mes patrons et puis je fabrique mes habits. Eh bien, écoutez, voilà. C'est en voie de disparition, mais c'est sympa. Et vous, Frédéric, dans la vie? Moi, je suis brancardier dans un centre hospitalier. Brancardier? Ouais. Ah, écoute, faut dire que vous avez quand même la corpulence. Ah oui, bien sûr, oui. Il faut. D'accord. Pour porter les malades, pour... on a beaucoup de brancardage avec des lits. Ben, costaud quand même, non? Oui. Bien. Eh bien, écoutez, merci à vous de nous avoir rejoints. Je vous présente, bien sûr, vos compagnons de route qui s'appellent les potes. La première question est somme toute assez audacieuse, me direz-vous, mais ça existe sur 100 Français. Combien ont déjà goûté de la nourriture pour chien et chat? Eh ben oui, il paraît que le chien-chien à sa mémère, eh ben on goûte la nourriture pour savoir si c'est bon. Vous savez, Jean-Luc, il y a bien des chiens-chiens qui goûtent du rhum steak. Ben oui, obligatoirement, donc pourquoi pas nous. Bonjour à vous, bariton, bien sûr. Bonjour à vous, Jean-Luc, excusez-moi, je suis rustre. Je ne vous avais pas salué. Un peu rusto, effectivement. Ludo, il y a des trucs que vous aimeriez pas du tout manger, par exemple, vous, qu'est-ce que... Il y a les ragondins, des trucs comme ça, enfin bon, c'est... Les ragondins? Ouais, ah non, bah oui, ça se mange pas, les ragondins. Hein. Vous avez déjà goûté la nourriture, les croquettes ou quelque chose, non, pour chien et chat, non? J'ai dû faire ça gamin, je crois, ouais. Ah, vous l'avez fait, vous, hein? Ouais. Ah, le coquin, Ludo. Ah, le coquin du dé, vous avez répondu? 15. 15. À 15, tout de même. Vous, Nicolas, quelque chose que vous aimeriez pas du tout manger? Peut-être tout ce qu'on trouve dans les égouts de Paris. Alors ça, c'est vraiment une chose... Ah oui, d'accord. Ah oui, ah, oui. Ah, bah, vous êtes parti sur un truc bizarre. Ah vous. Oui, bah... Nicolas, vous avez répondu? J'ai répondu 8, exactement. 8, exactement. Est-ce que vous avez déjà goûté quelque chose comme chien, chat, nourriture, non? Volontairement, non. Stéphanie, vous avez répondu combien, vous? 15. 15 aussi, comme oui. Ludovic. Vous avez déjà goûté la nourriture pour... Non. Non. Vous avez des animaux? Ça ne me dit rien. Vous avez des animaux, non? Oui, j'ai une petite chienne de 4 mois et demi. Oh, pas quelle contente, hein. Qu'on s'appelle, donc? Samy. Samy? Oui, Samy. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien, Stéphanie. Vous, Frédéric, vous avez répondu? 15. À 15 aussi? 15, 15. Ah, il y en a 3 à 15 et 1 à 8. Eh bien, la réponse à cette question est de...
Ah, il y a Toupile. Et qui est en Toupile? Il s'agit de... Nicolas est en Toupile. Bravo, Nicolas. Oh, mais c'est sympathique. Vous le savez, Nicolas, grâce à la complicité de TéléZ, et bien un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre reçu. Il s'agit aujourd'hui de... De Jeanne Becquet à Périgueux, dans la Dordogne. En Dordogne. En Dordogne. Dans la Dordogne, c'est dans le fleuve. Oui, en Dordogne. Obligatoirement. Alors, nous allons aller, bien sûr, chez Jeanne. Peut-être que Jeanne est là déjà, non? Oui, allô? Jeanne? Oui? Bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Non. Non. Jeanne, je sais que ça le fait. Jeanne, vous êtes en Dordogne. C'est le poisson d'avril, hein? C'est le poisson d'avril? Non, non, c'est pas du tout. Non. Jeanne? Oui. Je tiens à vous présenter tous mes amis aujourd'hui du public. Vous êtes en direct sur TF1 et ça, c'est extraordinaire. C'est pas vrai. Mais si, Jeanne, c'est fantastique. Oh, mais écoutez, c'est merveilleux. Jeanne, tout de suite, une première question. Que faisiez-vous maintenant? Eh bien, j'allais préparer à manger. Vous alliez vous préparer à manger? Deuxième question, oui. Jeanne. Que mangez-vous à midi, Jeanne? À midi, écoutez, ça va être salade, oh, poulet, haricots verts. Oh, ben écoutez, c'est comme ça, c'est sain, c'est clair, c'est net. Comme ben ça, voilà. Ben oui. Je vais vous proposer, bien sûr, deux possibilités, un choix d'enveloppe, comme vous le savez au quotidien. Il y a soit le petit cadeau, soit le beau cadeau. Ah. Le petit cadeau, c'est une belle paire de jumelles, c'est, oh, c'est le petit cadeau. En revanche, écoutez bien, le beau cadeau aujourd'hui, oui, Jeanne, oui, c'est une télé 16 neuvième géant. Oh non, c'est pas vrai. Ah, Jeanne. Oh, c'est bien, c'est merveilleux. Jeanne, vous avez le choix entre les couleurs... Rose ou bleu, Jeanne? Oh là là. Attention, c'est pas évident. Ouais, rose ou bleu? Rose ou bleu, soit la paire de jumelles, soit la superbe télé 16 neuvième géante. Vous nous dites? Oh là là, écoutez, je vous dis... Vous nous dites? Bleu. Bleu. Nico, bleu, ça va? Ça va. Ça va à peu près ou... Oh, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bien. Petit cadeau ou beau cadeau, Jeanne, oui, nous vous proposons le... Ah, le petit cadeau, Jeanne, oh. Eh oui, bah oui, vous avez... Parce que regardez quand même dans la rose, il y avait le beau cadeau, je tiens à le préciser, nous avons tiré la bleue. Désolé, mais c'est quand même une jolie paire de jumelles, Jeanne, mais tout de même. Mais c'est très bien, je vous remercie beaucoup. Regardons-la. Elles sont faites pour voir très près tout en étant très loin. C'est la paire de jumelles au design translucide à glisser dans la poche ou à prêter à ses proches. Jeanne! Oui? Ben écoutez, je voulais vous souhaiter un bon après-midi. Écoutez, je vous remercie, Jean-Luc. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous de nous être fidèles, surtout. Ah oui. Et puis je rappelle aux téléspectateurs que s'ils veulent participer au Toupil, ils n'oublient pas de renvoyer le bulletin de participation qu'ils trouvent, bien sûr, dans TéléZ ou de le regrouper sur papier libre, c'est possible. Vous le renvoyez, bien sûr, à cette adresse. Jeanne, à très bientôt, à tout de suite, à demain, à toujours. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci, Jeanne, au revoir. Ça commence bien quand même pour l'ami Nicolas avec un premier cadeau. Désolé pour les autres qui vont tous perdre un pote. Ouh là là, là il va y avoir une chute de potes, c'est assez fou. Trois potes s'en vont. Ça va bien se passer Frédéric, vous inquiétez pas. Bien, on va passer tout de suite à la deuxième question. Nous allons partir, destination la Bretagne. Mes amis, à quelle altitude en mètres culmine le plus haut sommet de Bretagne? Attention, là maintenant, plus le droit à l'erreur, mes amis. Question géographie. Stéphanie, vous avez répondu combien? 7. Je connais pas bien la Bretagne, alors. 7. Et vous avez bien le point culminant de la Bretagne, 7 mètres. Ouais, j'ai mis ça. C'est un petit monde, là. Bah oui. Là, c'est 7 mètres. 7 mètres. Attention, je vais sauter. Hop, plouf, 7 mètres. Frédéric? Moi, j'ai répondu 80. 80 mètres, le point culminant, le plus haut sommet breton. Ludovic? J'ai 1000. Vous avez mis 1000 mètres.
1000 mètres le plus haut sommet breton. Nicolas. 156 mètres. 156 mètres, il a l'air assez logique dans sa tête, Nicolas. Il s'agit de quel mont, baryton ? C'est le roc Trédudon dans le Finistère. Nous avons aussi moins haut le Ménézum, les monts d'Arrée, mais le point culminant, c'est le roc Trédudon. Il culmine à 387. Eh bien, Nicolas est encore et toujours le plus proche. Effectivement, Nicolas, c'est un sans faute. Et c'est rondement mené, ma foi, Nicolas. Et malheureusement, Ludo, là, c'est un petit peu fatal parce qu'avec 1000 mètres, vous avez tapé un petit peu haut. On va aller faire, pourquoi pas, un tour du côté de la Bretagne parce que vous allez pouvoir surfer allongé. Nous vous offrons tout de même, pour être venu, un super bodyboard, un joli câble. Facile à apprendre et ludique on the beach pour surfer sur la vague. Voici pour vous ce bodyboard avec ça. Merci Ludo, et vous êtes chariste. C'est ça. Et puis merci de votre sympathie. Il n'y a pas de quoi, et puis c'est, ici aussi c'est pareil, c'est génial quoi. Et ben merci infiniment de votre sourire, merci à bientôt, merci, au revoir. Tout sympa ce Ludo. Une question juste, Fred, généralement, qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme ? Chez une femme, pas en premier. Non, mais dites-moi. Le sourire. C'est cela, oui. Vous, Nicolas, qu'est-ce que vous regardez en premier ? D'une manière générale, le visage. Un beau visage. D'accord. Parce que ça fait beaucoup de choses, donc j'aime bien. Vous aimez bien. Tout simplement. D'accord. Oui. Vous êtes venu avec ma fiancée. Oh, regardez comme il est fier. Oh, ma fiancée Valérie. Bonjour Valérie. Bien. Très fier, hein. Très fier, bravo Nicolas. Vous, Stéphanie, qu'est-ce qui vous fait le plus chez un... Les femmes, pas grand-chose. Non, chez un homme. Hein. Chez un homme. L'aspect extérieur, la totalité, d'abord. L'allure. Ouais. L'allure générale. Puis après, on apprend à connaître. Bien. Eh bien, justement, nous allons apprendre à connaître l'anatomie, car voici la question coquine. Sur 100 hommes, combien ont du mal à regarder dans les yeux une femme qui a un décolleté plongeant? Bonjour madame, enchantée. Frédéric, vous avez répondu 60. 60 ? Oui. Ont du mal à regarder. Nicolas, vous avez répondu 16. 16. 16 ? Oui. Pourquoi 16 ? D'accord, 16. Je pensais que c'était une bonne chose. Bien, Nicolas. Ça va les femmes. Donc. D'accord. La réponse de Stéphanie. 45. 45. 45. La réponse à cette question est de... Alors, c'est assez épatant. C'est Nicolas qui est encore... Alors là, les enfants, alors là, je comprends rien. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait deux tout pile. Ça fait peut-être... Alors là, c'est votre jour de chance, alors, Nicolas. Là, oui. Alors, ça commence bien et puis ça... Ça commence super bien. Je suis épaté, ami Nicolas. Donc, vous êtes en tout pile. Alors, choix entre deux enveloppes. Un ami, bien sûr, qui va gagner le même cadeau que vous, qui a renvoyé, bien sûr, le bulletin. Qui se nomme ? Manuel Gasco, à Pleumeul, dans les Côtes d'Armor. Bien, nous parlons de Bretagne tout à l'heure. Nicolas, soit un petit cadeau qui est un arrosoir pour les plantes de dedans, les petits arrosoirs, un petit cadeau. Ou en revanche, un beau cadeau qui est un superbe vélo d'appartement. Et alors là, il y a de quoi s'amuser avec. Rose ou bleu, Nico? On était parti sur le bleu, on va rester sur le bleu. Vous restez sur le bleu. Petit cadeau ou beau cadeau, la réponse est... Oh, le petit cadeau ! Un petit arrosoir, quand même. Ça me permettra de faire du petit jardin. Un petit jardin secret. C'est très mignon. Voilà.
Avec ce magnifique arrosoir en aluminium au bec allongé, vos géraniums vont adorer que vous les arrosiez. Nicolas, c'est votre jour. Bravo à vous parce que vraiment, c'est un joli parcours que vous faites. Alors, qui est le plus éloigné? Oh, Frédéric, ami bancardier. On va perdre notre bancardier. On va quand même vous offrir un beau cadeau pour que ce soit un moment inoubliable. Quoi de plus sympathique qu'un appareil photo compact, s'il vous plaît. Cet appareil photo compact a un rendu de haute qualité. Pour cela, c'est simple. Souriez. Merci Frédéric de votre sympathie. Sympa comme tout. Vraiment, je vous remercie infiniment. Plein de belles choses pour vous. Merci. Et puis également. Continuez à bien vous occuper de nos malades. D'accord. Et merci de votre sourire. Ça voilà, va. Merci bien, au revoir. Merci, au revoir. Eh bien, d'un côté, nous aurons une femme, une vraie, du prénom de Stéphanie. De l'autre, l'ami Nicolas, sous les yeux de sa bien-aimée et eux. Tout le monde sur la deuxième marche. Alors, Stéphanie vient d'où, alors? De Nordosk. Nordosk. Oui, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais. Oui. Vous êtes venue ici avec, Stéphanie? Mes tatas. Avec mes tatas. Avec mes tatas. Ce sont vos tantes. Oui, mes tantes. D'accord. Bonjour, mes tantes. Bonjour. Et quant à Nicolas, vous êtes où, géographiquement? Eh bien, je viens de Aulnon, un petit village à côté de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Aulnon. Voilà. Bien, très bien. Eh bien, bonne chance à vous deux. Pour l'instant, c'est vrai que Nicolas a fait un sans faute. Donc, c'est bel et bien Stéphanie qui va commencer à répondre à cette première question sur 100 Français. Combien n'ont jamais eu d'amende? De PV, donc. Jamais, jamais, donc pas de PV. En argot, on dit prune aussi, biscuit, contredanse. 10. Un biscuit, vous dites aussi? Je ne dis pas le biscuit. Moi, je disais ça avec des copains. Ah tiens, j'ai pris un biscuit. Oui. Ah bon. Vous avez répondu, Stéphanie? 10. 10 n'ont jamais eu d'amende. Nicolas, jamais eu d'amende, jamais. Hein. Vraiment jamais? Vraiment jamais. Moi, je dirais plus quand même. Vous diriez plus? La réponse à cette question est de 27, c'est plus. Bravo Nicolas, ça commence super bien. Vous en avez déjà eu, Nicolas, des amendes? Pour le moment, non, je touche du bois, mais jamais. Non, jamais. Jamais. Bien. Bien heureux. Eh bien, ça marche bien pour vous. La question suivante va nous parler de Marc. En moyenne, combien d'outils a un homme dans sa boîte à outils? Nicolas? C'est assez difficile quand même. Hein. Oui. Alors, 46. 46. 46 voilà. En moyenne. Stéphanie? Non, moi je dirais plus quand même. Plus de 46 oui. Outils oui. Dans la boîte en oui, moyenne. Je, pense. Ouais. Je dis bien en moyenne, hein, ouais. Que nous soyons d'accord. La réponse est de 32, c'est moins. Nicolas, ça continue de monter, décidément, c'est un superbe parcours. Oh là 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 là. Vous dormez dans quelle tenue, vous, Nicolas, la nuit, je veux dire Tout dépend de la température extérieure, je vais vous dire, Jean-Luc. D'accord, mais bon, par exemple, c'est le printemps, tout ça... Un simple caleçon, ça suffit. Un simple caleçon, voilà. D'accord. Et voilà. Votre compagne a une petite chemise de nuit, quelque chose? Non, un pyjama. Ah, la pyjama? Ouais. Ah, le pyjama. Et c'est ce qu'on appelle les pyjamas tue l'amour. Ah, c'est du pyjama. Est-ce qu'il y a une grosse tétine là? Non, quand même pas. Non, il y a un nounours. Non, non, non. Il y a genre bonne nuit, sleepwell. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a des petits lapins en fait et bonne nuit les petits lapins. Bonne nuit les petits lapins, comme c'est mignon. Mais comme c'est mignon. Je prends pas trop le temps de le lire en fait. Ah oui, d'accord. Petit message, c'est ce qui m'intéresse. Bien. Stéphanie, vous, une tenue que vous arborez la nuit Une petite nuisette, assez sexy. Ah, la ouais. Petite nuisette sexy, quelle couleur? Bordeaux. Ah, Bordeaux. Avec des petits nœuds, là. Oh, plusieurs nœuds? Deux nœuds ouais. Ah, lit de vin également Bordeaux? Oui. Oh, que c'est mignon. Sur 100 Français, combien mettent leur pyjama sous l'oreiller?
c'est la question suivante. Stéphanie ? Bah écoutez, je sais pas, il y en a très peu, je pense. Je dirais 12, peut-être. 12 le mettre ouais. Sous l'oreiller. Nicolas, vous mettez votre... Ah ben non, vous vous êtes en caleçon. Ouais. Non, je le garde toute la journée. Vous le gardez tout. Ah, vous gardez non, le même non. La journée et la nuit, vous. Non, quand même pas. D'accord, très bien. Et, ouais. Et votre compagne met sa petite nuisette sous l'oreiller. Sous l'oreiller, non. Ah, non, non plus. C'est pour ça que je vais dire moins. Vous allez dire moins. La réponse à cette question est... 13. Oh, bravo, Stéphanie, 13. Oh. Avec 12, 13, oh, on est très proche. Bravo à vous. Excellent, donc, votre petit pote monte. Ouais. Nous allons poser une question maintenant sur les poissons. On peut applaudir très très fort l'ami Ludovic. Regardez, regardez, c'est Ludovic, regardez. Regardez, là, j'en ai dit, ça c'est Ludovic, notre cadreur, et tous les cadreurs, voilà. Quelle est en centimètres la longueur maximale, non pas d'un thon, mais d'un anchois ? Nicolas, un anchois au maximum mesure combien à votre avis ? En centimètres ? En cent... Oui, parce qu'en mètres, ouais. Ça fait un petit peu... Peut-être. Moi, je dirais 100. Combien ? 100. 100 centimètres. Alors, les tatas font du vent. Tata, on fait pas de vent comme ça, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Parce qu'il y a Tata qui fait... Oh là là ! Stéphanie ! C'est parce qu'il fait chaud ici. C'est parce qu'il fait chaud, bah oui. Stéphanie, vous avez pas, vous répondez ? Moins. Moins ? Oui, beaucoup moins. Sa taille maximale est de... 20 centimètres, c'est moi, Stéphanie égalise. Oh, le beau geste, mes amis ! Et là, ce n'est pas évident du tout, car... Un des deux va nous quitter après cette dernière question. Goal question, ladies and gentlemen. C'est une question de culture. Qu'est-ce qu'il y a, Stéphanie ? Culture ? Pas du tout. Mais sait-on jamais, vous savez... Peut-être. Peut-être que la chance va jouer... rend votre faveur. Combien de muses sont recensées dans la mythologie grecque ? Combien de muses dans la mythologie grecque ? Stéphanie, vous diriez ? Je ne sais pas, je dirais 9. 9. 9 muses. Nicolas, les muses grecques vous parlent-elles ? Je les entends, mais de loin. Vraiment de loin. Je dirais plus. Vous diriez plus de 9 muses. La réponse à cette question, mais peut-être une information de baryton au préalable. Un petit suspense. Oui. Les muses présidaient aux arts. Oui. Il y avait donc Clélio. Oui. Thalie, oui. Euterpe, oui. Terpsichore, oui. Melpomène, oui. Uranie, Calliope, Polymnie, Erato. Oui. Et c'est tout, elles étaient 9. 9, c'est un tout pile et on finit en beauté, Stéphanie. Oh là là, les tatas sont ravis, elles s'embrassent. Alors que Nicolas a fait un super parcours, il chute au dernier moment. Ah là 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 là, Stéphanie, bravo. Merci. Vous êtes couturière sur mesure. Ouais. Eh bien, c'est du sur-mesure pour vous, les 9 muses. Bien sûr, nous vous offrons un cadeau, ainsi qu'à, bien sûr, une téléspectatrice ou un téléspectateur qui se nomme baryton. Monique Nicolas, à Canet-Village, dans les Pyrénées-Orientales. Dans les Pyrénées-Orientales. Elle va gagner donc le même cadeau que vous, Monique. Stéphanie, le petit cadeau est un porte-chéquier tout de même. C'est un porte-chéquier très chic, mais le beau cadeau est un agenda électronique. Rose ou bleu, Stéphanie ? Bleu. Bleu. Dans le bleu, il y a... le beau cadeau ! Ah, c'est ça, on finit, oh là ! Alors là... Côté
d'un superbe clavier, vous venez de le gagner. Cet agenda électronique est le top de la technique. Super, alors là, ça finit super bien. Nicolas, merci. Écoutez, vous avez une petite amie charmante. Bonjour, vous l'étiez également charmant. Nicolas, pour vous, on va vous offrir quand même un super cadeau. C'est une grosse télé interactive. Regardez-la. Vous venez de gagner un téléviseur interactif 16/9 Thomson TAC. De chez vous, avec votre télécommande, participez, réagissez et jouez pendant vos émissions. Voilà, Nicolas. Ça va, hein? Belle télé. Merci à vous deux. Bonne route pour la vie. Et bonne chance surtout à Stéphanie. Stéphanie, vous êtes couturière sur mesure. Oui. C'est sympa comme vous. Et puis alors là, un peu de congé parental. Oui, j'ai l'aimé des enfants. Comment s'appellent vos enfants? Loïc, il a 6 ans et demi, et Lucas, qui a 2 ans et demi. Je les embrasse très, très fort. Mais on les embrasse très fort. Et écoute... je leur dirai que vous êtes très gentils. Bon, attendez. Vous êtes très gentils. Ah, bah, écoutez, bah, merci bien. Je vous propose de vous offrir, dans un premier temps, 250 euros pour vous. Et nous allons tenter de les multiplier par deux sur la première marche. Nous allons bien sûr trouver la première question. Aujourd'hui, mercredi. Venez jusqu'à la première et fille, elle salue quand on s'aperçut. Sortie, eh bien, de E.T. 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 Et l'interprète de E.T. qui s'appelait Pat Billon. Mesurez combien, vous rappelez de E.T., ce petit personnage venu d'ailleurs. Et son interprète mesurait soit 72 cm, soit 92 cm. Pat Billon, dont nous pouvons peut-être parler, puisque c'est marqué là. Bah, je vais vous parler quand même de E.T. The Extraterrestrial, oui. Un film de Steven Spielberg, 1982, téléphone maison. 72 ou 92 cm, Stéphanie? Je dirais 92 cm. 92 cm. Je pense. Vous pensez? Oui. Et vous pensez... Bien! Oui! Bravo! Très bien. Super. 250 euros que nous multiplions par deux. Pour l'instant, c'est un sans faute pour vous. 500 euros qui s'applaudissent. Bien, nous passons sur la marche suivante pour la question suivante, chère Stéphanie. De Pâques à l'Ascension, s'écoule combien de jours? Soit 39 jours, soit 59 jours. Question difficile. Effectivement, la difficulté croît en fonction de la montée des marches, bien sûr. Plus nous montons et plus... Oh, c'est dur. Donc, je ne sais pas. Je dirais 39. Vous diriez 39 jours. 39 jours. Oui, je suis pas sûre. Le public a l'air d'accord avec vous, pour l'instant. J'essaye de compter, mais je suis pas sûre. D'accord. La réponse, Stéphanie, est juste après la pub. Nous revenons. Les cloches sonnent à Pâques. Mais de Pâques à l'Ascension, combien y a-t-il de jours? Soit 39 jours, soit 59 jours. C'était la question, bien sûr, que nous avons posée à Stéphanie avant cette pause. Et Stéphanie a répondu 39 jours. Pour l'instant, je tiens à préciser que Stéphanie, qui est couturière sur mesure avec deux enfants à la maison, n'a fait aucune faute. C'est-à-dire que vous avez en votre possession 500 euros. La réponse à cette question, Pâques à l'Ascension, est de 39 jours. C'est la bonne réponse. Jean-Luc? Oui.
Une petite information. Oui, bien sûr. Ces 39 jours, symboliquement, effectivement, dans les évangiles, c'est 40 jours. Oui. Du mercredi des cendres, après oui. le carnaval à Pâques, 40 jours. De Pâques à l'Ascension, 40 jours. Et bien. De l'Ascension à la Pentecôte, 40 jours. Bien. Nous vous offrons 500 euros donc par deux, 1000 euros, c'est un sans faux. Et là, ça commence à monter bien en émotion et en pression. Je vous propose maintenant de monter sur la marche suivante pour la question suivante. Attention, le PSG évolue en première division. Depuis combien de saisons d'affilée? C'est-à-dire que ils n'ont pas quitté la première division soit depuis 28 ans, soit depuis 38 ans d'affilée. Depuis combien de temps sont-ils en première division? Bah quand même, avec la réputation qu'ils ont, c'est de bons joueurs. Oui. Moi, je dirais 38. Vous diriez 38? Ouais, 38. 38 ans d'affilée ouais. en première division. Ils sont connus quand même. Ils sont connus. Ouais, ils sont bien connus. Ils sont connus. Les tatas ont l'air un petit peu déboussolés hein, pour le PSG. Ça va, tata? Ça va. Oui, ça vous plaît, 38? Je sais pas. Vous savez pas, vous savez pas. Un petit peu de culture footballistique. Oui, Jean-Luc, le PSG fut créé en 1970 et évolue en première division depuis juin 1974, ce qui nous fait 28 saisons. Ah, 28 saisons. 28 saisons. Mais quand même, bon, pour l'instant, 1000 euros que vous avez acquis, donc que nous ne touchons point. Et nous allons tenter donc les 5000 euros sur la dernière marche aujourd'hui. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose le programme des 95 chaînes du câble et du satellite. Et sans plus attendre, nous allons jouer pour 5000 euros et elle va parler cette question de téléphone. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. Oh, oh, oh. Gaston, y a le téléphone qui sonne et y a jamais personne qui répond. En quelle année les premiers téléphones publics à carte sont apparus en France? Vous voyez bien sûr ces cabines téléphoniques, hein, nous en sommes d'accord. Au préalable, donc, on mettait des pièces, par exemple 20 centimes, 50 centimes, 1 franc. 1 franc, 2 francs, je crois que ça allait jusqu'à 5 francs d'ailleurs. Exactement, oui. Je pense, effectivement, vous vous rappelez. Oui. Et puis après, pour éviter, je pense, tout vandalisme, absolument. Également, top de technologie, etc., nous avons inventé ces cartes à puces. C'était en quelle année où elles sont apparues? Première possibilitus pour 5000 euros, Stéphanie. 1953. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je crois pas, non. Trop loin? Oui. Oh, trop loin. Oui. Deuxième possibilité. Ah! Non, je pense pas, non. Vous pensez non, pas? Non, 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 je pense pas. Vous pensez non, pas, non. Vous pensez pas. Troisième possibilité. À carte. Oui, à carte. Je vais voir la dernière. On va voir la dernière. Dernière possibilité. Ouais. 1983. Je sais pas. Je pense pas que ce soit 53 et 63, c'est bien trop loin. Je veux dire 1983. Vous allez dire 1983? Oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant? Oui. D'accord. On va demander apparemment... Non, parce que... Vous avez l'air assez sûr de vous. Alors, on va demander... En 73, j'étais pas née et j'ai connu les cabines à pièces, pas à cartes. Bien, d'accord. D'accord, c'est votre raisonnement. Oui. Mais demandons bien sûr au public son avis. Si vous êtes d'accord, bien sûr, dans le public, vous appuyez sur le 1 de la télécommande, même si vous avez une mèche dans l'œil qui vous empêche de voir le 2. Jean-Luc? Oui. 91% du public est OK, c'est-à-dire 91. 91, ouais, je savais 91. Ah, ça sent bon alors. Ouais, hein. Ouais. Non, mais j'en suis sûr. Vous en êtes sûr? Oui, oui, j'en suis sûr. En 73, non, il n'y avait pas de cabine à carte. Nous validons définitivement? Ouais, je valide. Oui, oui. On valide définitivement 1983. J'espère.
Vous espérez? Oui. Alors, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? Oh, 53. 53, ouais. Vous n'avez toujours pas... 1953. Il n'y a pas 5000 euros derrière 1953. Non. Bon, attendez. Ça commence bien. Ouais. Deuxième case que vous voulez dévoiler. 63, je suis sûre, donc 73. Ah. Autant être fixé tout de suite. 1973. Oui. Y a-t-il 5000 euros derrière 1973 alors que les tatas sont en train de manger leurs ongles? Nous dévoilons 1973. €5 000 pour une maman qui s'occupe des enfants, pour une couturière sur mesure, 5 000 euros. Ouais. Attention, nous sourions, mais est-ce la bonne date? 1983, l'apparition des cartes dans les téléphones alias cabines publiques. La réponse aujourd'hui est... Du bonheur, de la joie. 1983. Bravo à toute la famille réunie. La famille a les larmes aux yeux. Mais ce sont des larmes de bonheur. Merci à tous. Merci à tous. Bon appétit. Et à demain, mes amis. Au revoir.